La Jeune Chambre économique est une association internationale qui organise chaque année un congrès mondial. Cette année, ce congrès aura lieu à Rio. Et à cette occasion, nous souhaitons amener des entreprises martiniquaises qui ont un potentiel commercial à l'international. Nous sommes convaincus que l'avenir économique de notre île passe ou passera par l'intégration dans la Caraïbe, mais aussi par la création de relations commerciales avec l'Amérique latine. Concrètement, pour implémenter vraiment cette idée de projection de la Martinique à l'international, la projection des entreprises à l'international, nous avons choisi donc deux prétextes, début novembre, deux événements majeurs qui ont lieu au Brésil. D'abord, le Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale, d'une part, et d'autre part, le FIMAI, qui est un salon de l'innovation et du développement durable. Donc, avec ces deux prétextes-là, on va donc emmener certaines entreprises martiniquaises avec nous pour identifier des têtes de pont, pour identifier des syndicats dans trois domaines, les déchets, l'énergie et les TIC, pour essayer de participer à l'émergence de cette internationalisation des rapports commerciaux entre la Martinique et son bassin caribéen, son bassin d'Amérique latine. Si vous êtes un chef d'entreprise, que vous êtes intéressé par cette démarche, d'aller voir comment les choses se passent, trouver des nouveaux marchés, que ce soit en sourcing ou alors en export, n'hésitez pas à nous contacter en fait, pour savoir comment va se dérouler cette action et comment on peut travailler ensemble à exporter le talent des entreprises martiniquaises.